c'est le bar-restaurant Le Tournebelle, près de l'écluse de Mandirac, tout proche de Narbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon, qui sert de cadre à cette chronique d'écran local. Je me trouve en terrasse, près du canal de la Robine. Au-delà, ce sont des rizières, paysages d'Asie, verdoyants, comme du blé en herbe, émergeant de l'eau. Exotique. Et le soir, un fabuleux concert de grenouilles sous les étoiles et la bienveillante lune. Un paysage qui n'est pas si rare que cela dans l'Aude, le riz étant cultivé aussi sur les temps de Marseillette. Exotisme asiatique, mais aussi africain, si je ne me trompe pas. On peut voir parfois un grand groupe d'ibis et d'autres oiseaux multiples venus d'ailleurs. Royaume des oiseaux que sillonnent les cyclistes et les randonneurs, amis de la nature, ou sur le canal les plaisanciers en péniche, à l'anguille ou à la manœuvre. Ici, au bar-restaurant Le Tournebelle, si on peut entendre les grenouilles, le mardi soir s'y mêlent les accents de jazz du groupe Maison, que l'on peut retrouver avec plaisir chaque semaine. Sympathique établissement tenu par de jeunes commerçants. On peut y goûter du bio, mais tout aussi et tout simplement du bon, du régional. Gastronomie et animation musicale, tout cela nous parle de cette dimension gréco-latine si présente en Languedoc-Roussillon. Et, comme le dirait Lucrèce, disciple d'Épicure, dont les repas devaient être accompagnés de musique, à la prochaine fois, si les galactons, les petits galactons, de mon pas galacté.